Sénégal ñun la soxal ñoo bokk ndey ak bay donc mo woné tay naj bi tang ñu top waye ñepp ci top fi parce que li day marqué jeunesse li day marqué nit parce que ce premier défilé bokk cette année wala nga fekk ko wala nga défilé da lay marqué éternellement dans ta jeunesse dembe rek suñu bénn doyen mi may wax bon dembe suñu bénn doyen mi ñi expliquer nañu bu muy ñëk défilé le 4 avril 1960, waye voilà Fatoumata Bobo Diouf du école Jules Sagna ay yeru correcteur mo reer ko gis na ñu ci table bi fi ñu ci table bi fi dam Fatoumata Bobo Diouf ay yeru correcteur mo reer ko gis na adi ñu ko ci table bi fi kon ñu di wat le feu mo capitaine que tay c'est la fête de l'armée. C'est la fête de la jeunesse. C'est la fête. Voilà, donc je ne pas de l'idée de le papa, le gendarmerie, le bon capitaine.
c'est des mots de remerciement à l'endroit de tous les Thiessois de toute la région qui se trouvent mobilisés aujourd'hui derrière ce merveilleux défilé. Je voudrais rendre un hommage particulier et féliciter en même temps le commandant de la zone militaire, le colonel Lamine Keïta, qui nous a gratifié d'un très beau défilé civil et militaire. Remercier l'ensemble des autorités administratives et politiques, notamment le président du conseil régional de Thiès, le maire de la ville de Thiès, les maires d'arrondissement, le colonel de la Légion de la gendarmerie, ouest, le colonel Fall, l'ensemble des écoles qui ont défilé, l'ensemble des hommes et des femmes qui ont tenu en haleine pendant 2 heures de temps un magnifique défilé sur ce boulevard de la République, sur ce boulevard. Donc au nom du président de la République et au nom du gouvernement, je tenais à féliciter l'ensemble des acteurs qui symbolisent d'ailleurs ce 4 avril une retrouvaille du peuple sénégalais autour de ses valeurs cardinales de fondation mais de travail aussi pour que le Sénégal puisse émerger. Comme vous le savez, le thème de cette année, c'est l'armée, les forces de sécurité et de défense au service du développement économique et social. Plus que par le passé, l'armée s'implique quotidiennement dans les missions qui sont complexes de sauvetage des personnels et des biens, de sécurité également des personnes et des biens, mais également de prévention pour que nous puissions dormir tranquilles les nuits et jours. Donc c'est un bel hommage à la jeunesse sénégalaise, à l'armée sénégalaise et à travers l'armée, donc les valeurs que cela incarne comme valeurs civiques, valeurs patriotiques, mais valeurs également de construction de la nation. Wa ci wala ci gattal rek bëggone ndokel sénégalais yi ndokel wa Thiès yépp région de Thiès ci fête 4 avril bi nga xam ñoko bok muy suñu fête mom suñu bop di remercier population yi di remercier école yi nga xam ni défilé na ci wati tamit di remercier armée ak les forces de sécurité yi nga xam ni dafa lañu défilé bu neex bi di leen remercier au nom du président de la République Macky Sall di leen remercier également au nom du premier ministre Amina Touré du gouvernement. Di wax rek né fête bi ñun ñëpp ñoko bok. Tay xamé wuñu won badolo, xamé wuñu borom dombo tank, kenn xamul kenn, ñëpp ño bok ney bok bay. Xamni fête bi ñoko momal suñu bop, suñu indépendance bop la. Ma ngi gërëm bu baax président du conseil régional, di remercier tamit maire de la ville, di remercier colonel commandant de la zone militaire ak colonel commandant de la légion, di remercier aussi tous les partenaires école yi école de football di wax rek ne jere ngeen def fête bi ñu ñop ñoko bok rafetna gatte nga lam amna lo wax ci thème bi force de défense waaw waxna ni légui thème bi moy force de sécurité de défense au service du développement économique et social gis nañ ñu armée muy gendarmerie muy armée dañu am ay solo dañu am ay mission yu am solo li nga xamni moy taxawal fondation rew ma moy tax tamit comme gëna yok dañ nga gis armée bu yak dañ def ay puces de production. Mais ba légui ñu ngi def ay pont yi nga xamni bu mbënd amé wala am ay pont yu dag ñom seen pont mobile li ñu indi mëna permettre nit ñi mëna dem ak delu ci ba ñu mëna rétablir situation. Donc armée gis ngeen leen tamit souvent di ñu def contribution réhabiliter école réhabiliter ay poste de santé waaw def ay journée médicale donc di jappelé population seen wër gu yar loolu moy thème bi tay lu am solo la te yaakaar na dina jëm kanam. Merci beaucoup. Je suis très honoré aujourd'hui de participer à ce défilé civil et militaire pour marquer la commémoration de la 54e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Et comme vous l'avez dit, nous sommes ici à Thiès pour participer à ce défilé et nous avons été impressionnés par ce que nous avons vu du côté civil comme du côté militaire. Et le thème de ce défilé, comme vous l'avez dit, placé sous le sceau de la jeunesse, parce que nous sommes dans la semaine nationale de la jeunesse qui est revenue avec l'avènement du président Macky Sall. Et depuis que le président Macky Sall a accédé à la magistrature suprême le 25 mars 2012, c'est la première fois qu'on organise, à part les prises d'armes, un défilé civil et militaire. C'est pourquoi, en tout cas, nous, en tant qu'élus du Sénégal, bien sûr, mais aussi résidents
de cette ville, nous avons tenu à venir participer à cela et nous profitons de l'occasion pour lancer encore un appel à la jeunesse sénégalaise pour par rapport à la citoyenneté surtout, parce que le président de la République, quand il a créé le ministère de la jeunesse, de l'emploi et de la promotion des valeurs civiques, c'est pour que les jeunes sénégalaises et sénégalais puissent s'approprier les valeurs civiques, puissent s'approprier les valeurs morales de nos ancêtres pour que ce pays-là puisse aller vers l'émergence. Parce que quand on parle du plan Sénégal émergent, c'est que les Sénégalais doivent travailler dur comme fer pour que le Sénégal puisse avancer. Et pour cela, il faudrait d'abord une jeunesse civilisée, une jeunesse qui maîtrise le civisme pour que demain, qu'on puisse aller vers l'émergence en travaillant, bien sûr, pour que vraiment ce Sénégal puisse retrouver vraiment son lutte d'antan. Waaw, li nga xamanteni ni mom lañu wax rek moy dañu am mbecté lool téwé li nga xamanteni ni moy défilé civil et militaire bo xamné mom moy 54e marqué 54e anniversaire bu accession notre pays à l'indépendance. Loolu nak ñun en tant que Thiessois nek ay député am nañ mbecté ñeu féké défilé bi nga xamné civil yi def nañ ko mais aussi militaire yi def nañ ko parce que nak ku ci né xam na né Sénégal dafa am ay bac yo xamanteni dañ ko ko yag baké motax ñuy profiter ci occasion di lancer appel à jeunesse bi pour que ñu gëna approprier manam les valeurs civiques parce que président de la République ku né xam na né mom liko ñor moy liggéey pour que pays nak pour que mu mëna avancer il faut que jeune yi am ay valeurs morales am ay valeurs civiques yo xamanteni ni dinañu ko xol ci sen ancêtre yi parce que ñun ku nekk xamna ne fi nga xamanteni ni moy Thiès fiñu dëkk dëkk la bo xamanteni nit ñi dañu am ap lo xamanteni dañ ko yag di bañ donc motax ñuy lancer appel jeunesse du Sénégal jeunesse thiessoise surtout pour que ñu xamne dëkk bi pour que mu avancer il faut que nit ñi liggéey il faut que nit ñi xamne surtout xalé yi xamne pays ay tiaxan doxal ko likoy doxal mom moy liggéey suba ak ngone pour que ñu mëna espérer li nga xamanteni président de la République bëgg na ci dëkk bi mom moy émergence. Merci beaucoup. Moi féliciter l'armée pour la qualité du défilé qui a été fourni cette année avec le défilé motorisé déjà ça a donné une bonne impression mais également le défilé civil a été impeccable. Donc bravo au colonel Keïta, bravo à la police, à la gendarmerie qui ont assuré pour l'essentiel ce défilé. Oui. Oui. Oui, c'est vrai qu'on parle toujours de Thiès comme une ville tumultueuse, mais je pense que c'est une ville également qui sait se retrouver autour de l'essentiel. À travers le thème de cette année, armée, les forces de sécurité et de défense autour, au service du développement économique social, je pense que c'est une bataille du développement, vers le développement qu'il faut impulser. Et on se rend compte parfois qu'il y a des choses empoignantes, mais cela ne doit pas déboucher sur le désordre ou le chaos. Je pense que c'est à partir de ce moment que nous devons prendre conscience que de plus en plus dans la société thiessoise, les gens sont fatigués de ces batailles de politiciens. Et qu'il faut promouvoir l'emploi des jeunes, il faut promouvoir le développement social. C'est pourquoi il faut vraiment remercier des acteurs comme Mbaye Gueye qui ont compris cela et qui ont posé cette année des jalons importants avec le ministre Thierno Alassane Sall visant à relancer le secteur du transport mais également le secteur de l'emploi des jeunes. Waaw xam nga né dañu mbek ci d'abord cadavre ndaxte jeunesse dafa am lu am solo ci rew ndaw yi ñoy tabax ëlëk bu ñu leen jappé fonk leen rew mi suñu xel dina dal té li ëpp solo moy xamné gis nañu tay école de football yi défilé nañu xalé jox nañu sport bi gëdëm wa di gis nañu tamit li nga xamni moy école d'excellence yi nga xam di am de bons résultats wa yoy ñoom tamit école tamit jar nañu encourager bu baax ñoo nañu défilé à côté de l'armée, de la police, de la gendarmerie. Té lolu dal na suñu xel. Benen bi ci top moy di ko waxé légui tém force de sécurité et de défense au service du développement économique social. Dañu gissé wa Thiès xeyna barana trop ciow lélé bu am sur le plan politique ak lénen. Wanté lélé nit ñi dañuy son ci bataille politique yi ba nga xamni dañuy bëgg xalé am liggéey. Comme gëna nat. Donc démocratie bi gëna yomb. Lolu motax ñu japp ne ren amna lu bess ties moy opérateur économique yu ñew
bëgg changer visage vitesse bo gisé ku melni mbay gay def na fi lu am solo fexé ba nga xamni transport di kwat def investissement massif reprendre sen iran auto fexé ba xalé yi mëna am ligay secteur bop di len encourager di len encadrer aussi di len financer sous l'impulsion du ministère justement des infrastructures actuellement al sansal donc lolu yaakar na ni lu am solo la li nga xamni xeyna xolaguñ ko bu baax mais dina am répercussion bu am solo sur réew mi parce que nit ñi mënal sen bop mëna yor sen bop lolu lañu bëgg lolu gouvernement bëgg lolu président la bëgg merci monsieur voilà vous venez d'assister au défilé civil et militaire placé sous le sceau du développement et on a vu que les jeunes se sont beaucoup impliqués alors quel est votre avis? Écoutez notre impression est une impression extrêmement positive d'abord de noter que le président de la République, dès son accession à la magistrature suprême, a donné à l'armée toute son importance, a donné aux forces vives de la nation toute leur importance. Mais quand il s'agit du défilé, il a pris le temps de prendre la vraie température pendant 2 ans et de nous convier aujourd'hui avec faste, mais sans aucune forme de folklore, à un défilé qui a regroupé à Dakar et dans les régions toutes les forces vives. Et aujourd'hui à Thiès, nous devons faire mention spéciale à M. le gouverneur de la région de Thiès qui a piloté de main de maître avec le commandant de la zone numéro 7 ce défilé. Donc nous en tirons un sentiment de légitime satisfaction en tant que fils de Thiès et en profitons pour lancer un vibrant appel au président de la République pour l'achèvement des chantiers de Thiès. Je crois qu'aujourd'hui, Thiès en a besoin et il en a fait, me semble-t-il, ses priorités. Nous lui lançons un appel pour l'achèvement des travaux des chantiers de Thiès. L'autre élément qui nous a dans la ferveur du 4 avril, c'est le discours hier du président de la République. Le président de la République, dans son adresse à la nation, s'est adressé à deux corps, c'est-à-dire au peuple sénégalais qui a hérité de l'indépendance, mais aussi à l'armée qui a garanti la sauvegarde. Et parlant de l'armée, je crois que le président de la République a rappelé les rôles et les missions urbi et orbi de l'armée, c'est-à-dire en dehors des frontières et à l'intérieur de la nation. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans nos jeunes pays, l'institution militaire est le socle de la vie de la nation. Il a rappelé d'autres principes, notamment le culte au travail. Donc, je crois qu'aujourd'hui, hier, il ne s'agissait pas pour lui de faire un bilan, il s'agissait de rappeler des faits qui intéressent l'indépendance. Et ces faits ne concernent que le peuple sénégalais à qui il a appelé au travail et à la concorde et à l'armée dont il a salué la disponibilité, l'engagement et le sens patriotique. Convenez que 54 ans dans la vie d'un homme, c'est déjà quelque chose. Donc 54 ans après les indépendances, il nous faut nous revoir dans une miroir et faire face de manière introspective à certains de nos maux et croire, comme le président Larbre a dit, que ce peuple, le pays, ne se fera que par le peuple sénégalais lui-même. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Je crois que l'ignorance. Je crois que l'ignorance Olof rek moy rafetlu d'abord président ni mu jaré le mbiri moy bi mu jëlé pouvoir bi jël na ñaari at yi nga xamanteni ku ne xam na ni suñu force de défense yi ak manam ñi yor karangi réew mi ak jamm réew mi ci la doon dox mais deful dara mu nek précipitation té lolou lañu rafetlu tamit moy jël na ñaari at mu xolat barren mu décidé nañ def défilé bu nga xamanteni ñepp ci bop défilé certainement bu xumbu mais bu baña am bu mbay et je crois que gis nañu tay en tout cas à Dakar et dans les régions notamment fi Thiès gis nañu ñepp genn nañu ñu ci rafetlu liggéey bi ci gouverneur la région def mais ñu ci profito également di lancer un appel président de la République Macky Sall pour chantier yi nga xamanteni modi chantier Thiès ñu yagalé ko ndax ñun musuñu gëm ni
chantier ci ben nité ko def chantier ci état sénégal la donc état bi nit ñi dañuy dem nit ñi leen remplacer té amna lu ñu promettron té mi ngi ci waxtaan nañ ci mais benen biñ koy ñëk fatali ginaaw chantier ci moy stade la jor bu ties ndax stade bobu bari na sportif yu ko soxla té yakamti nañu vraiment jot ci donc dal ci walu de philippe mom amnañ ci mbékté liñu dégg nak mu wax ko demb tamit dal na xel parce que buy wax ci walu indépendance warul def bilan dafa wara waxanté sénégalais ak armée bi parce que sénégalais ño xex indépendance bi ba jot ci ay doom sénégal armée bi mo ñuy ar je crois que limu wax waxna li nga xamanteni mom lañu xaar ci armée bi rafetlu na tamit li nga xamanteni mom la armée bi doxé mais rafetlu na tamit amna engagement yu mu jël té yoy du sax ay engagement moy waxna mesure yu mu jël pour suñu parents suñu soldats yi nga xamanteni daño gañu ñuy wax ay mutilé wala ñu teud ta guerre lañ ko jëlé ñu taxaw leen mais rappelé na tamit mission bi nga xamanteni armée amna ko ci biir ak ci biti muy wax les missions urbi et orbi ci ma xamanteni mom la armée bi am benen bi moy ñaxna askanu ci ñu liggéey ñaxna jeunesse bi ci ñu taxaw donc yaakar na ni politique bu joté nipp mën nañ dem politique mais day am benn moment bi nga xamanteni li ñuy wax li sociologue yi wax dañoo wara am benn matrice d'action normative manam ñepp andalo ni li kat lu bax la nañ ci and je crois que mom le président wote demb ñun ties liñ ci rafetlu moy tay ken xamewul ku bok benn parti ñepp dañu andando bok liñu bok muy nation bi bok liñu bok muy drapeau bok liñu bok muy fête de l'indépendance bi ñi ngi gërem ñepp di sante ñepp salam merci merci câble distributeur de ties reine gouverneur daf ñu bolé ci dispositif 4 avril bi wax ñi dafa bëgg ties yépp sétane 4 avril bi ñu woñu pour que câble distributeur yi ñeu filmer 4 avril bi tek ko ci réseau yi pour réseau câble yépp tek ko pour que ties yépp sétane 4 avril mu melni nak lool aussi dafa am ben tawfiq bu jam moy que dafa melni ties tay dañ ko béral loxo ci 4 avril bi nan nga gisé événement mais xam nga gouverneur damay wax ni mom c'est un grand commis de l'état parce que ñun yag nañu observer yag nañu xex mom damay wax ni dina def li suñu mam Alhadji Abdoulaye Sow don wax Alhadji Abdoulaye Tabakh don wax ni oyof len bay tok ci souf mais bu len doye di ba ken di len tegi tank donc mom loolu lañu gis ci mom buñ ci gissone lenen buñ ko wax mais dañ koy nopi limu def nak ci câble distributeur yi yene gi makoy sogo wax dama koy rafetlu té damay xamni lolou mo war parce que waxna len ko ma len recevoir né na len ken du len ni amu len tier ci dëkk bi mais dëkk bi aussi ken mu len ci seppi ndax yeen câble distributeur da ngeen ci am rôle d'abord ci partage de l'information manam xibar bi yeen ngi koy tass mais ñaarël bi da ngeen di jox ay liggéey tay amna peut-être ñu melni man ñu wër ci dëkk bi di politique di wax yeen li ngeen di utiliser ci ay nit di len fay par wèr ñu dem di dundal seen famille ñom defu ñuko donc ken ëppalé wu len ci mais waxon na len ni tamit am rew wala ab dekk bo ci bokké day am no ci bokké kou la ni la bëgg dekk bok nga ci té nu la neex nga bok ci day wax lo neex je crois que bu ngeen ko téggé ci yoon li ngeen xamni signal la ngeen am ci tawfiq am ci taxaway ba ëlëk liñ len ci doon bolé ñu bañ ko réccu mais ngeen fexé tamit ba événement bu amé ci ciis ngeen jël ko en charge diffuser ko am ci taxaway bi ngeen wara am dañ leen di wax ban wax na len ko man candidat là pour poste maire de Thiès lu ci ëpp muy maire Thiès commune d'arrondissement bu Thiès S mais lima len wax du waxu politique dama ni ñun am nañu projet pour mettre en place une télévision urbaine lu melni Zik FM mën té Sen TV mën na nek fi Thiès lu mëna nek la alal la koy def alal ji mi ngi ci dëkk bi xay xel mo koy def am nañ ci taxaway bi dama ni len man dama gëm ni yeen passage de l'analogie au numérique da ngeen ci wara taxaw bañ len ci bayyi ci ginnaw ci lolou la len talale won suñu loxo den wax ni len dekk bi kenn du ne sama yon neeku ci wala faruma fenn day am moment yi nga xamanteni no def far parce que boné duma far fenn katax faro fenn lam lay xagn doko meuna am ci ki nga faralon donc yaakar na day am ben moment ngeen taxaw waxu ju len faru xulo faru xex mais faru ngeen xam intérêt askan bi ak sen intérêt ak sen jumtukay lan mo koy ñongal je crois gouverneur limu def dañ koy rafetlu et puis wan nañu yoon bi parce que man amon na xalat bobu may wax ni rek dinañu ci gëna xalat ak yeen yokku ci taxaway bi
mais fexé ba nga xamantene en tout cas métier câbleau distributeur du dé ci dëkk bi. Merci, merci beaucoup monsieur Mbaye. Copain d'enfance lañ mak mom ñoom magando bañi tout temps depuis 1973 suñu ñëwé tay ma dajé ak mom fi par hasard ñu téggo rek lolu fierté la ci man. Merci beaucoup. Man aussi vraiment fierté la ma dajé ak yow fi nga yor agent de presse aussi mayma occasion mu mëna wax man parce que pour armée amul luddul défilé donc nga mayma ci sama fête mu mëna wax man sama satisfaction ci bëss bi. Vraiment ñu ngi leen ci sante bu baaba yeen agent presse yi fi nek yépp di leen gëreum di ñaanal yalla yalla na seen poste yi gëna avancé gëna yeen itam ñi ngi ci nek yalla leen yaay may ay avancement yu bëré bëré. Merci beaucoup. Militaire, paramilitaire et de la société civile. L'organisation a été très bien faite et en plus nous félicitons et remercions nos partenaires qui ont bien voulu nous soutenir pour arriver à cette belle prestation, à savoir le gouverneur, le président du conseil régional, le maire et les sociétés civiles. Je suis très content et je félicite aussi tous les gens qui ont, tous nos invités qui ont honoré de leur présence aussi à la cérémonie. Je souhaite à tout le monde un bon retour à la maison et avec mes sincères félicitations. Pourquoi on a choisi le thème? Le thème force de défense et de sécurité et développement économique et social. Je crois qu'un État sans paix, on ne parlera pas de sécurité parce qu'il faut réaliser une paix pour la sécuriser. Un État sans paix ni sécurité n'est pas stable, c'est l'instabilité. L'instabilité, un État instable est un État en défaillant. Et un État défaillant ne peut pas parler de développement. Il parle là de redressement. Et c'est pourquoi c'était bon de faire savoir quels sont les pions essentiels de la sécurité et de la défense. C'est l'armée, d'abord par sa mission principale qui est la défense de la sécurité et de l'intégrité territoriale, et qui vient en troisième position après la gendarmerie, la police et les autres de forces paramilitaires et pour participer à la sécurité et par la protection civile. Et d'autre part, par leur action, on ne voit que la partie visible de l'iceberg. Ces forces de sécurité, la plupart des temps, sont considérées comme des forces de répression, alors qu'au loin de cela, le paysan qui dort tranquille, le berger qui dort tranquille, sans qu'il soit inquiété et se réveiller et se retrouver sans troupeau, c'est grâce à ces éléments-là. Développement social, c'est la même chose. Je prends le Thiès décrit bien la zone 7 parce que toutes les unités qui vont en mission à l'extérieur du Sénégal et même à l'intérieur du Sénégal s'entraînent à Thiès. À titre d'exemple, un contingent tourne autour de 800 hommes à Thiès qui payent un paquet de cigarettes ou bien une bouteille de boisson. C'est des recettes dans la commune, au niveau de la commune, et c'est des emplois aussi qu'on crée au niveau pour soutenir cette force. Et avec les revenus que ça régénère, je crois que ça participe aussi au développement économique et social de Thiès en particulier et du pays. Ça, ce n'est qu'un reflet que je donne. Par exemple, un exemple, c'est pourquoi on parle de force de défense et sécurité, développement économique et social. Parce que le plus souvent, on nous voit soit comme des forces de répression ou bien des forces qui sont là, qui n'agissent que par temps. Bon, mané mangi gërëm ñëpp d'abord ñu dimbalé ñu def fête bu ba rafet bi commencé par gouverneur, conseil régional, maire ak sun commandement supérieur, l'état-major général avec le chef d'état-major général qui n'a ménagé aucun effort d'abord pour jox ñu lépp luñ ko laaj. Et fête bi rafetna parce que ñu ko don ñëpp askan bi ñëwna woné né aussi sen fête la et ma ngi sante ñëpp di leen gërëm ci sen téway ak sen taxaway té fête bi ñu gis ko nu mu déroulé tay.
Ah, donc, force de défense et sécurité, demandé, bon, on a un thème bi, nous avons force de défense et sécurité et développement économique et social. Force de défense et sécurité, il y a armée, il y a une police, il y a une gendarmerie, il y a une douane, il y a une service d'hygiène, il y a une administration pénitentiaire. Donc, pour tenir quelque chose, militaire et paramilitaire. Nous avons vu que bonne qui garde pénitentiaire là, dans une test cardiaque là. Mais l'autre mouille de flou, c'est pour ar askan. Ar askan bi, comme nous le faisons, samoukat bi yew souba guetam ak ki yew souba di gisout guetam dana ne ah suma xamone duma wax ne ki day tej rek mais mu ngi may dimbalé pour ar askan suma kom bi et lolu ben firné la mané benen firné bi ci développement économique et social bi dama jël comme ties contingent yi fi ñew bo xolé luñ fi créer comme emploi. Nous avons créé aussi comme recette fiscale et communale. Et nous avons créé aussi une contribution. Et une contribution, nous avons créé un contingent libéré, nous avons libéré, nous avons créé un contingent libéré. Nous avons retourné dans la vie civile dans le cadre de l'insertion. Nous avons créé un contingent après deux mois de perfectionnement. Nous avons créé une force de défense et sécurité, développement économique et social. Voilà. Merci beaucoup, Diarindé. Monsieur le maire. Très fier de notre armée, très fier également de notre jeunesse, très fier de notre pays et très fier de notre nation. Ça a été des moments forts de mobilisation et de communion entre toutes les composantes donc, de la nation sénégalaise, surtout entre l'armée et les civils, plus particulièrement les jeunes. Je pense que depuis hier, donc nous avons eu droit à des prestations de qualité. Et ça, c'est tout à l'honneur de notre armée, mais également à l'honneur de notre pays. Et je voudrais en profiter pour exprimer encore une fois toutes nos félicitations donc au colonel commandant de la zone militaire numéro 7, mais également à toutes les forces donc, de sécurité. Nous avons également eu droit à une très forte mobilisation de la jeunesse, surtout plus particulièrement les élèves qui ont été aujourd'hui, qui ont montré quand même qu'ils ont des choses à démontrer, des choses à montrer, des choses à partager. Donc sous l'encadrement de notre armée, je pense que ça a été très fort et c'est ça qu'il faut peut-être un peu encourager et maintenir. Nous avons également souhaité, peut-être dans l'avenir, un meilleur accompagnement des élèves. Naturellement, avec la zone militaire, nous sommes en parfaite collaboration sur beaucoup de domaines. Mais je pense que les élèves également méritent d'être mieux assistés, mieux soutenus. Donc nous avions naturellement souhaité que les communes d'arrondissement également et le conseil régional s'impliquent davantage. Nous avons soutenu naturellement le lycée Malixi, le lycée Jules Sagnan, le reste avec l'armée. Mais je pense qu'il faudrait davantage quand même qu'on ait une meilleure organisation pour que le défilé puisse se passer dans de meilleures conditions, surtout pour les élèves. Donc c'est à ce niveau-là vraiment que je souhaiterais peut-être un peu axer mon intervention. Je suis très fier et fier de participer au défilé de Taïbi. C'est un moment où je suis un moment de andando nek ben ci suñu réew la andando nek ben ci entre armée bi ak civili. Mais également, nous voyons comment notre armée, notre professionnalisme, mais également, nous voulons maintenant l'armée sénégalaise, nous voulons un attachement à notre armée. C'est le civisme et le patriotisme, il faut le développer, le cultiver les jeunes surtout. Mais également, ça a été des moments où les jeunes ont été menés. Mais également, nous les encadrer, nous voulons maintenant les soldats qui nous ont. Je pense que c'est ce qu'on doit faire le plus. Donc, on doit faire l'armée, on doit faire les civils, on doit faire les gens, on doit faire les gens, pour que le sentiment patriotique soit renforcé chez les jeunes. Donc, également, il faudrait peut-être maintenant, dans l'organisation, on doit faire comment on doit faire les gens, pour qu'on doit faire surtout les élèves. Et alors, on doit faire la mairie, on doit faire le colonel, donc il y a beaucoup de mairies qui ont fait.
mais civils aussi dañ leen di jappelé ndax ñun ñoy dañuy habillé les majorettes Jules Sagne ñoo jappelé nañ ko lycée Malick Sy mais également il faut que ñu organiser davantage pour que école yi défilé école bu nek mairie gën la jappelé comme maintenant on a la maire de ville et les communes d'arrondissement il faut davantage quand même ñu organiser bu communes d'arrondissement yi gën duggal sen loxo ci habillement élèves yi. Je pense que lool il faut ñu gën ko organiser donc la mairie naturellement mu ngi def domani li mën mais mën na def plus pour ñu gëna jappalé mais lool lepp organisation bu gëna yemb lay laaj té lool défna dinañ ci gëna liggéey gën ci taxaw inshallah. Le maire Idrissa Seck est en France donc il se porte très bien donc xamna ni très prochainement même dina ñëw l'année dernière il était là avec nous cette année peut-être il n'a pas pu venir mais très prochainement il sera au Sénégal inshallah pour continuer ses activités. Ñu tank ci wala frek monsieur la maire gis ni monsieur Idrissa Seck la mo ko wara. Non Idrissa Seck mu ngi ci jamm mo dafa fekk rek défilé de Rennes bi dafa fekk mu nek bitim rew motax ñewul comme daw ñewon na ni ngeen ko xamé mais mu ngi ci jamm et que naturellement ci fan yu neew di ngeen ko gis mu ngi bis Sénégal et que naturellement inshallah rabbi benen défilé di ngeen ko gis dañu déggon ci ay rumeur ñu né dafa tawat. Non Idrissa Seck dara jottu ko lol wedd nañ ko léral nañ ko à maintes reprises. Donc dara jottuko mu ngi sante yalla bu baax Idrissa Seck dara jottuko mu ngi fi jamm dafa am ci ay yitté yum nek rek mais bientôt il va rentrer inshallah. Merci monsieur.